Yes, c'est reparti. Salut tout le monde, salut tout le monde. Il paraît que nous sommes maîtres des mots tant que nous ne les avons pas prononcés. Une fois qu'elles sont dites, nous en devenons esclaves. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que si vous avez des projets, des choses que vous voulez réaliser et que vous ne le dites à personne, il n'y a pas de souci. Tant que c'est dans un coin de vos têtes, tant que vous ne les prononcez pas, tant que vous ne les annoncez pas, vous êtes toujours maître de ces mots. Mais une fois qu'elles sont prononcées, une fois qu'elles sont dites, une fois que vous l'avez dit autour de vous, voilà, je compte faire tel truc, ceci, cela, machin, une fois que vous l'avez annoncé autour de vous, ben vous en devenez prisonnier. Parce que tout le monde s'attend à ce que vous teniez vos engagements. Et vous-même, vous êtes mal à l'aise parce que vous savez que vous avez prononcé telle phrase, tel mot, vous avez tenu tel engagement, vous avez pensé qu'il était nécessaire de tenir tel engagement et que là, pour le moment, vous ne le tenez pas. Alors, moi, je ne connais qu'un seul moyen pour se délivrer de ce type d'engagement. Eh bien, c'est de les tenir. Oui, vous devez tout simplement les tenir. Pourquoi je vous parle de cela? Mais parce que la période est propice. On sort des fêtes de fin d'année. Vous avez pris de bonnes résolutions. Et maintenant, il est temps pour vous de les tenir. Comment les tenir? C'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Via un cas concret pour que vous puissiez bien comprendre comment on arrive à tenir ses engagements. Je vais prendre l'étude d'un cas concret. Et c'est ensemble que nous allons décrypter cette possibilité de tenir ses engagements. Je vous invite donc à cliquer sur le lien qu'il y a soit au-dessus de cette publication si vous êtes sur Facebook, soit dans le descriptif de cette vidéo, dans la description. Si vous êtes sur YouTube, allez dans la description, cliquez sur le lien et accédez à la totalité de la vidéo dans laquelle je vous explique comment tenir ses engagements en 2020. Pour ma part, nous sommes lundi 6 janvier 2020. Il caille, mais ça va. Je pense pouvoir tenir la distance. J'en ai déjà fait 6 et on va continuer tranquillement. Donc, je vous retrouve tout de suite dans la vidéo explicative comment tenir ses engagements en 2020. Étude d'un cas concret. À tout de suite, les amis. Cœur.